Bonjour les amis, bienvenue dans le 4e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui on va s'intéresser à une petite espagnole bien roulée. Je vais parler bien sûr de la Seat Cupra, la Léon Cupra R, qui est une voiture développée pour Assetto Corsa. Elle est passée en version 1.0 et elle est disponible surtout en version course, la version Cupra R, et également en version standard, mais ça c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors Track Day, une formule qui a un petit peu changé, je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode. Donc en fait on va passer un petit peu en revue ce qui est la voiture. Donc on est à Silverstone en version courte, la version nationale, et on va faire le tour de cette voiture qui est donc développée, vous l'avez reconnu, pour Assetto Corsa, et qui a pas mal d'atouts en fait pour elle, et je vais expliquer pourquoi c'est un mode intéressant à avoir dans votre ludothèque, votre bibliothèque, votre garage Assetto Corsa. Alors cette voiture, il faut savoir qu'elle a participé à un championnat pendant les années 2000, donc de 2003 à 2008 en Angleterre, le championnat Seat Léon Cupra en Angleterre, donc qui est un championnat qui se disputait sur plein de circuits anglais, et qui a vu naître pas mal de grands champions. Alors en passant comme ça, il y a eu Gordon Shedden, Shilton, Turkington, il y a eu pas mal de noms connus du super tourisme, et surtout un garçon qui a réussi à être champion en 2003, il s'agit de Rob Huff. Alors Rob Huff, vous le connaissez actuellement pour être pilote en WTCC. Il a fait les heures de Chevrolet pendant les premières années du WTCC avec Alain Menu et Nicolas Larini dans les années 2000, après avoir été promu, puisque le titre de cette division en 2003 offrait une place chez Seat Sport en BTCC, donc la catégorie, on va dire, la plus importante de super tourisme en Angleterre. Et bien c'est lui qui a remporté ce championnat cette première saison. Il y en a eu plein après, vous irez voir sur internet, vous trouverez ça sans problème, et même de très belles vidéos, puisque c'était des manches très disputées. En ce qui concernait les manches, c'était 28 voitures en piste à peu près. Ici on est seul, on est tranquille, alors c'est pour ça que j'ai pris un peu Silverstone, pour reprendre un peu des circuits anglais. Voilà un peu pour l'historique de cette voiture, donc c'est une voiture espagnole bien sûr. On va s'intéresser un petit peu au mode en lui-même. Alors le mode vous propose 5-6 décorations route et 4 décorations compétition. Celle-ci est la plus classique, la Red Bull, qui reprend les livrets qui ont été également utilisés par Yvan Muller, Jordi René et plein d'autres en championnat du monde des voitures de tourisme sur leur Seat Léon, la version suivante, puisque c'est d'abord la Toledo qui a couru en compétition. Ce mode est très intéressant pour deux choses. Le son, qui est de très bonne facture, et le travail des suspensions et du comportement routier de la voiture. Alors vous pouvez le voir, c'est un peu pour ça que je vous ai laissé cette caméra. Je vous invite à regarder un petit peu le comportement de la voiture sur les freinages, les passages en courbe et les accélérations. Vous voyez que au niveau du comportement, on a un roulis, on a quand même de la rigidité, parce que la roue arrière parfois se lève dans les courbes. Au niveau des freinages, la voiture pique bien vers l'avant. Et l'adhérence en courbe est phénoménale, et vous avez énormément de grip. Alors c'est une voiture qui a une transmission de type traction, donc ce sont les roues avant qui sont motrices et directrices. C'est un petit peu particulier, mais honnêtement c'est un mode qui est très bon à ce niveau-là. Donc vraiment une très bonne surprise, je l'ai téléchargé un petit peu voilà, en passant, je me suis dit tiens, je vais la prendre pour faire un petit tour de piste, et je me suis dit il faut absolument que je vous fasse un épisode de Track Day avec cette voiture, parce que franchement c'est très agréable comme type de conduite. Donc voilà, au niveau de la modélisation de la voiture, il n'y a pas vraiment de choses qui sautent aux yeux, c'est assez sobre. Le seul défaut, c'est eh bien la qualité du tableau de bord qui est assez dégueulasse, mais sinon la modélisation des textures, là vous voyez, bon, les suglaces c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous voyez qu'au niveau de la réalisation graphique, c'est tout à fait correct, les ombres également. Vous voyez un petit peu ici le travail des suspensions, je vous en parlais juste avant. Vous voyez que dans les courbes et sur les vibreurs, eh bien la voiture a une réponse assez agréable. On va le voir ici dans la dernière chicane. Vous voyez que c'est assez joueur comme type d'architecture de suspension et d'amortisseur. C'est vraiment un truc qui a été bien bossé. Alors on va tout doucement se laisser, je vais vous laisser profiter de la voiture et des différentes prises de vue et surtout du son qui est très bien réalisé. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette Seat Léon Cupra R. Et maintenant je vous laisse profiter du son et des quelques tours qui restent pour apprécier visuellement et surtout le son du moteur de cette voiture. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.